Dans cette vidéo, on va se faire l'équipe de pets la plus cheatée de tout Roblox. Et oui les mecs, parce que rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on a découvert la nouvelle mage de la Saint-Valentin. Et on a pu observer que les nouveaux œufs de l'événement, et ils étaient encore plus puissants que les pets de la dernière zone cartoon. Regardez, ça c'est le meilleur pet en gold de la zone cartoon. Et là c'est le meilleur pet en gold de la zone de la Saint-Valentin. Et donc c'est avec celui-ci qu'on va devoir constituer une nouvelle équipe. Mais avant de faire ça les mecs, j'ai résolu un mystère. Et je l'appelle le mystère de la banque. Vous l'avez sûrement vu dans les dernières vidéos, j'avais galéré à upgrade ma banque. Parce qu'en fait c'est tout simple, il faut payer 7 millions de diamants. Sauf que ça refuse alors que j'ai les fonds suffisants. Mais c'est parce qu'en fait il faut mettre les diamants à l'intérieur de la banque. Regardez, de cette manière là. Et c'est normalement ainsi que je vais pouvoir l'upgrade je crois. Quoi? Comment ça? Ils me disent que la banque elle a pas assez de diamants, mais c'est pile poil assez. Oh non les mecs, qu'est-ce qui se passe encore là? Ça y est, la vidéo commence à peine et là je suis déjà triste. Heureusement que les diamants me remontent le moral, sinon je serais déjà dans un coin en train de pleurer. Bon maintenant les mecs, je voudrais voir quelque chose avec vous. Dans la dernière vidéo je vous présentais les nouveautés de la mise à jour, mais j'en avais oublié une. Et regardez, ça se passe dans le shop avec ces pets hyper bizarres là, qui ressemblent à des mèmes. Regardez, on les voit un peu mieux sur cette vidéo. Regardez-moi ce front. Oh, il a pris la grosse tête lui. Mais il est incroyable, il me le faut absolument. Mais bon, pour avoir ça, il va falloir payer cher. Du coup là, je suis vraiment en train de me tâter à acheter plein d'œufs et essayer de le dropper. Mais bon, le temps que je réfléchisse et que je prenne ma décision, j'ai le temps d'aller récupérer les Dark Matter que j'avais mis dans la machine. J'avais mis une chauve-souris comme ça, Rainbow. Elle devait être à 4Q ou quelque chose comme ça. Et du coup, on va enfin pouvoir voir après tout ce temps à combien de puissance elle va monter. Ok, du coup, boum, on récupère ça. Ok, c'est bon. Et attention, mystère. Est-ce que ça va dépasser notre pet le plus fort de la team actuellement? Oh, presque. Regardez-moi ça. Oh, par contre, on n'a pas des enchantes de fou là. Mais du coup, ça dépasse bel et bien mon meilleur pet. En plus, c'était un secret. Donc, bah, ciao, à la poubelle. Hey, regardez la licorne que je viens de récupérer. Elle est en shiny. Ça veut dire qu'à la place de mettre 4Q, elle en met 9. Là, vous dites sûrement, mais pourquoi t'es aussi content là? C'est moins bien que tes chauves-souris. Mais en fait, ça, les gars, c'est beaucoup mieux que les chauves-souris. Parce que contrairement à elle, celle-ci, je vais pouvoir l'enchanter et mettre l'enchante que je veux dessus. Me demandez pas pourquoi, mais les pets trop puissants, on peut pas les enchanter de la façon qu'on veut. Ce qui veut dire que dessus, je vais pouvoir mettre Cartoon Coin. C'est l'enchantement qui augmente notre richesse dans cette zone. Bon, là, je pense qu'on est déjà suffisamment riche quand même. On a déjà 190 milliards. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Du coup, là, en parlant d'enchantement, on a un autre mystère à résoudre. La dernière fois, on avait déduit que les pets de la Saint-Valentin étaient plus puissants que les pets de la dernière zone cartoon. En tout cas, en ce qui concerne ces oursons par rapport aux licornes. Et aussi le cas pour ces oursons face à la chauve-souris. Mais la question demeure, est-ce qu'on peut les enchanter? Premièrement, parce qu'ils sont plus puissants que la chauve-souris. Et deuxièmement, parce que la chauve-souris, elle, de base, ne peut pas s'enchanter. Ce qui ferait un méga plus. Et je vous le dis pas, les mecs, avoir Cartoon Coin sur un pet à 10 cul, ça serait juste trop trop fort. Bon, par contre, là, les mecs, il y a des petits enfants qui se battent pour que je les trade. Ça, c'est parce qu'ils voient que je suis riche. Bon, du coup, ils parlent, mais on va voir ce qu'ils ont à proposer. Alors, Bob le bricoleur dit For huge hell rock. Basic. Les gars, je comprends pas, c'est moi ou sa phrase, elle veut rien dire là. Et il me propose 11 milliards contre un huge. Ok, je viens de comprendre. Oh là là, ça me fait réfléchir là. Après ça, les mecs, c'est des cadeaux des abonnés, j'ai pas envie de les donner. Et puis, un huge, normalement, ça vaut 15 milliards. Il est un peu en train de m'arnaquer là. Ça vaut 15 milliards. Je vais pas me faire avoir par un petit enfant, les mecs. Mais attendez, il rajoute des pets comme ça. Il croit que je vais pencher dans la balance là. Les mecs, ça sert à rien. Ils mourront pas. Je cancel. On a mieux à faire que négocier avec des petits enfants. Comme par exemple, voir si on peut enchanter les pets. Ça démarre mal, je les vois pas. Ok, déjà, ceux-là, on peut. Donc, ceux-là qui, je le rappelle, sont meilleurs que les licornes. Donc, eux, si je les passe en Dark Matter, ils devraient peut-être avoir 5Q ou quelque chose comme ça. Donc, 5Q avec Cartoon Coin, je vous dis pas, ça va être rentable. Hein. Mais du coup, malheureusement, pour ce qui est des trois petits oursons là, c'est pas le cas. Tant pis, on va se contenter des autres. Du coup, là, les mecs, ce que je vais faire, vu qu'on peut les enchanter, je compte me les équiper. Mais avant ça, il faut que je les mette au Dark Matter. Autrement, là, sinon, c'est juste moins fort que mes licornes qui sont déjà Cartoon Coin. Mais du coup, les mecs, dans 5 jours, notre team sera beaucoup plus cheaté. Et du coup, les mecs, on va devenir encore plus puissant et encore plus riche. Bon, maintenant, les mecs, vous voyez ces petits oursons là? J'ai envie de prendre le risque de les faire passer en Rainbow. Mais attention, j'ai que 47% de chance de réussite. Et j'ai envie de faire ça pour comparer la différence de puissance entre une chauve-souris Rainbow, qui est, si je me rappelle bien, à 4,6Q. Ah, ce petit ourson en Rainbow qu'on ne connaît pas la puissance, mais qu'on va peut-être découvrir maintenant, les mecs. Allez, je croise les doigts, please, s'il te plaît, fais que ça réussisse. Allez, allez. Oh, non. Pourquoi j'ai jamais de chance sur ça? Oh, je vais ouvrir des cadeaux, ça va me réconforter là. Oh, voilà. Ah, je vais ouvrir des... Oh non, mais qu'est-ce que je suis bête! J'ai encore plus envie de me flinguer! Ça m'a donné des pièces nulles! J'en ai rien à faire des pièces de cette zone, c'est pourri! Oh là là, les mecs! Voilà, il y a qu'un seul moyen de me réconforter, c'est d'aller voir si j'ai des cadeaux qui m'attendent dans la boîte aux lettres. Oh, j'espère que j'en ai là. Please, dis-moi que le Père Noël est pas. Oh! Sans gif! Oh oui, merci les mecs! Heureusement que vous êtes là pour moi. D'ailleurs, avant de les ouvrir, les mecs, je viens de me rappeler d'un truc. Et je viens de me rappeler qu'il faut que je vous rappelle de vous abonner à la chaîne! Les mecs, objectif 25 000 abonnés avant la fin du mois! On a 15 jours là actuellement.
seulement. Et les vidéos font en général 40 000 vues, donc vous avez pas d'excuses. Abonnez-vous les mecs, on speedrun ici. Le but c'est de rattraper Furious Jumper. Allez, bon du coup, voyons voir les petits cadeaux qu'on a eu là. Oh damn, quoi? Un pet à 236T en hardcore? Ah mais peut-être j'abuse sur la réaction, je crois que j'en ai déjà un de base en fait. Que j'ai réussi à faire moi-même. Oh waouh, y'a Sacha qui nous donne un pet de la Saint-Valentin Shiny. Je crois que j'en ai jamais eu encore. C'est nice, c'est nice. Bon, de toute façon les mecs, vous inquiétez pas, je vais tout accepter. C'est juste là, je regarde cas par cas. Oh parfait. On a un pet très rare ici en gold. Oh, j'aurais peut-être dû attendre avant de rainboter. J'aurais eu plus de chance en les mettant par 4. Ok, là on a un Dark Matter bien sympa. Merci mon gars. Petit don de pet hardcore ici. Oh let's go. On a Ilan qui nous donne encore un pet comme ça. On aura peut-être une seconde chance de mettre le pet en rainbow. Ensuite là on a des pets bizarres. Oh damn, quoi? Y'a un mec, il nous donne le pet direct en rainbow. Mais let's go en fait. Ça veut dire qu'on va pouvoir le Dark Matter. Merci Baba Boy, ça fait trop plaisir. Colin qui nous donne un pet exclusif ici. D'ailleurs, en parlant de pet exclusif, les mecs, regardez ici, j'ai deux packs opening d'événements que j'ai jamais encore fait. Donc bah venez, je prends une petite popo de chance et on va se le tenter. Objectif c'est d'avoir le gros chien là en bas. À 0,1% de chance. Ah si on l'a, ça serait incroyable. Allez, c'est parti, on ouvre. Ok, qu'est-ce qu'on va. Quoi? Je l'ai jeté par terre. On va me le voler. Au voleur. Non, ah c'est bon, quoique il s'ouvre tout seul là. Oh, oh non, il est tout petit. Ah oh, dégage-moi ça, je veux pas le voir, il est trop moche. Moi je veux le gros. Allez, on a une seconde chance, c'est parti. Please. Ok, il rebalance le cadeau par terre, ça doit être avec la mise à jour ça aussi. Allez, appuie un gros, allez. Oh, il est tout petit, comme mon Damn. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh, ça m'a déprimé là, je retourne voir les cadeaux que j'ai eu. C'était beaucoup plus intéressant. Oh damn, il y a un mec qui nous donne full pet de la Saint-Valentin en Dark Matter. En plus ça c'est des pets qu'on va pouvoir enchanter, donc ça c'est vraiment insane. Il s'appelle Kwakube. Oh, oh non. Oh, juste pour ça, j'ai pas envie de l'accepter là. Mais du coup voilà, on a fait un petit peu le tour des dons. Je vais accepter tout ça, c'est parti. Maintenant les emplacements sont libres, vous pouvez continuer à faire des dons. Attendez quoi les... les mecs, attendez, je viens d'ouvrir mon inventaire et j'avais pas vu. Oh non, je suis dégoûté, il y a un mec qui nous a fait un don de pet shiny comme ça. Oh, je suis désolé mec, j'ai pas vu ton pseudo. Mais en gros les mecs, ce pet, je vais aussi pouvoir l'enchanter. C'est comme la licorne shiny ici. Il est giga puissant et je vais pouvoir l'enchanter. Oh non. Oh là les gars, je me mets trop bien. Oh, encore une fois, je suis désolé au mec qui m'a fait ce don et que j'ai pas vu. En tout cas là, je vais me faire un plaisir de l'équiper. Maintenant nous les mecs, avec les dons de pet comme ça qu'on a eu, on va se retenter de rainboter ça. Là, j'espère que la chance sera de mon côté. Allez please, je ne demande pas la lune. S'il te plaît, le jeu, je veux voir la puissance qu'ils ont en rainbow. Non, mais c'est pas possible. J'ai envie de manger mon clavier là. Attends, je vais goûter voir si c'est bon. Ah. Et en plus il est poussiéreux et il y a du... Je ne dirai rien. Du coup maintenant avec les nouveaux pets que j'ai équipés, et bah je vais aller enchanter tous ceux qui peuvent l'être. C'est à dire toute cette ligne là et les deux petits là. On va sélectionner Cartoon Coin 4 et Cartoon Coin 5. Et là les mecs, bah je vous retrouve dans un petit moment là. Souhaitez moi bonne chance, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Bon attendez là, parce que j'étais en train de m'enchanter. Et là il y a encore Nico Hero Brine qui vient me faire un énième don avec des pets hardcore hyper puissants. Je crois les gars qu'on a trouvé le plus gros donateur de la chaîne hein, vraiment. Lui c'est vraiment un goat les mecs, merci mon gars. Ça va beaucoup m'aider. Bref, moi je repars enchanté. Yay! Attendez les mecs, je me suis fait interrompre par un autre don de Limule qui veut me donner un chat bizarre. Mais let's go! Il est incroyable! Il est trop malicieux. Il est un peu mon regard quand il y a une fille qui passe à côté et que je vais être discret. Genre là, il y a un petit garçon très mignon à ma droite. Je regarde en face de moi, mais avec ma périphérie, je l'observe très bien. Mais c'est pas son visage qui m'intéresse, c'est plutôt... Non les mecs, je suis pas un prédateur. D'ailleurs, pour rester dans le thème, les mecs, j'ai toujours pas trouvé de petite amie. Pourtant, j'ai demandé en commentaire si vos sœurs étaient disponibles. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse positive. Tant pis, les gars, être un mage noir, c'est pas si mal. Du coup, pour ceux les mecs qui se demanderaient pourquoi on est passé d'une session enchant à regarder les fesses d'un mec sur Roblox, bah c'est parce que j'ai passé 30 minutes sur l'enchant et que j'ai rien eu. Voilà, c'est bon pour vous. Donc, je ferai ça une prochaine fois. Mais pour me réconforter, les mecs, je vais vous afficher quelqu'un qui m'a fait un fan art. C'est une personne sympathique qui a une photo de Yuan qui fait le chinois. Mais what the fuck? Et regardez-moi ça, il est bizarre. C'est étrange. Il me dérange un peu, mais il est hyper stylé. Du coup, bah merci, ça fait super plaisir. Du coup, si vous avez des fanarts de moi, les mecs, bah n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis moi, je les afficherai en vidéo. Et je viens de penser à un truc, les mecs. Je viens de penser au fait qu'il faut que je vous rappelle de re-vous abonner à la chaîne. C'était au cas où pour ceux qui l'avaient toujours pas fait. Bon, en ce moment, les mecs, c'est cool, c'est la Saint-Valentin, tout ça, tout ça. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un glitch en ce moment sur Pet Simulator en lien avec la Saint-Valentin? En fait, c'est Yohan qui me l'a partagé. Et c'est un glitch pour obtenir beaucoup, beaucoup de cœurs ici. Regardez, on va faire un petit comparatif. Je vais envoyer mes pets sur ce coffre-là. Et là, vous allez voir, je prends environ du 5 millions toutes les 10 secondes. Donc 5 millions de cœurs, c'est censé être le maximum vu que je suis dans la dernière zone. Sauf que les mecs, en allant dans le Cat World et en faisant casser à nos pets ce coffre là, bah on est censé prendre moins vu que c'est pas la dernière zone du jeu. Et puis pourtant, regardez, je prends du 17 millions. Donc les mecs, si vous voulez farmer les cœurs, bah je vous conseille d'aller ici. En plus là, j'ai zéro effet de popo. Là, je me les suis mis et je prends du 47 millions. Avec un bonus de triple coin server, les mecs, je prendrai du 150 millions là. Donc là, les mecs, on a la strat pour farmer les meilleurs pets du jeu. Donc là, c'est cool, on gagne beaucoup de cœurs, mais on pourrait en gagner encore plus. Et ça, je vous l'avais déjà dit, mais tout simplement en farmant
vraiment cette catégorie du mastery. Parce que regardez, actuellement je suis niveau 78. Et si on arrive à la monter niveau 99, on gagnera 100% de récompenses supplémentaires dans les coffres. Et sachant que c'est ce qu'on pète le plus souvent, et ben ça nous sera utile jusqu'à la fin du jeu. Donc les mecs, moi je pars pour farmer un petit peu cette catégorie là. Et je vous retrouve juste après un accéléré. J'ai déjà préparé tous les cercueils. Free, Free Oxyvochain, je les accueille. Je tue pas les Wizards et les Enderman. Je suis pas raciste comme Invisible Man. Je campe sur le game thème, c'est mais. Pourquoi s'arrêter? Ok les mecs, j'ai terminé le petit farm de la journée. Je suis monté niveau 80, donc j'ai monté que 2 niveaux. Pourtant, croyez-moi, ça a été très long. Mais maintenant, on va faire autre chose. Et je parle là d'essayer d'avancer dans le mode hardcore. Déjà, ce qui va pas mal nous aider, c'est que regardez, on nous a donné des pets giga puissants. Donc ici, on va pouvoir enlever les nuls et équiper les meilleurs comme ça. Là, je vous raconte pas les mecs, notre équipe elle a un flow de zinzin. Et la dernière fois, on s'était arrêté à cette zone. Cette zone qui vous allez voir est très très dure à passer. Parce que là, il demande 95 000. Parce que regardez, quand je pète un tas de trucs, je prends à peine une centaine de pièces. Du coup, je vais devoir être là et farmer pendant. Bah giga longtemps en fait. Je sais pas si c'est normal que cette zone elle soit aussi difficile. Je trouve ça bizarre là. On gagne beaucoup plus de cœur que de pièces, ça a aucun sens. Mais du coup les mecs, pendant que je farm, ça me laisse le temps de vous faire part d'une réflexion que j'ai eue. Genre il m'arrive de temps en temps de voir dans les serveurs des joueurs à plus de 100 milliards de diamants. Sauf que moi les mecs, j'ai cheaté pour avoir autant de diamants. Et du coup je me demandais comment est-ce que les joueurs font pour en avoir autant sans cheater. Et du coup j'ai réfléchi à une stratégie. Vous allez me dire si selon vous ça tient la route. Mais en gros ce serait d'aller dans une zone hyper haut level. Sauf que vous y allez avec une team claquée du cul. Genre une team full galipette à 1 de dégâts, mais sur ces galipettes là vous les mettez tous en enchant Diamond 5 et en fait en les mettant sur un tas de diamants le tas va jamais se casser parce que ça sera hyper long et du coup la stratégie ça serait de mettre un pet sur chaque tas de diamants, genre au total vous divisez vos 20 pets sur 20 tas de diamants et ils vont mettre une heure à le casser, mais du coup avec l'enchantement je crois qu'on peut s'en sortir extrêmement riche, donc ça serait quelque chose à tester, pourquoi pas le faire dans la prochaine vidéo, on verra, ça me tente pas mal. En tout cas ça fait déjà longtemps que je suis là et l'argent monte très très lentement là. Cette zone est pas du tout équilibrée si vous voulez mon avis, mais du coup ça me laisse le temps de vous montrer un autre truc, il s'agit de cette vidéo. C'était pour vous dire qu'il y a pas longtemps j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne Minecraft, mais regardez elle a pas fait beaucoup de vues là, ça fait pitié. Ceux qui l'ont pas vu là, vous attendez quoi pour aller la voir? Après c'est la honte là sur ma chaîne, 40 000 vues pour 260 000 abonnés là, c'est quoi ça? Vous faites grève de Minecraft ou quoi? Eh bon non, par contre sa mère c'est beaucoup trop long à monter cette zone là, j'en ai trop marre les gars. Donc là on va faire autre chose, on va tirer un abonné au hasard pour le concours du jour, et là on va le prendre de façon manuelle parce que j'ai essayé le site mais il est full bugué, donc on pourra pas pour aujourd'hui. Du coup on scroll, on scroll, on scroll et on s'arrête ici. FRTO, mec, encore du pet simulator, c'est trop bien. PS, mon pseudo Roblox, I'm Ronaldo. Ok, du coup, on a notre gagnant. On va juste vérifier qu'il est abonné. Et c'est le cas, donc c'est parfait. Bien joué, ZFRTO. Ou devrais-je dire, poor Ronaldo. Mais du coup, boum, je t'ajoute en ami. Tu me recontactes et on s'arrange pour le don. Sinon, les mecs, moi je vais m'arrêter là. Parce que je crois qu'il faut que j'aille.